this Duke King Julius style. Salutations les gamers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre 42e épisode sur Days Gone en compagnie de notre cher Deacon St. John. Nous devons repartir en mission et nous avons rendez-vous à 500 mètres et quelques. Donc on va s'y rendre et on essaiera de finir l'épisode, si le temps nous le permet, par une petite attaque de horde. Une petite de préférence, parce que je suis pas sûr que celle qui se trouve à la Syrie... soit assez atténué pour qu'on puisse la finir. Alors, je sais pas du tout ce qui m'attend là-bas à 500 mètres, donc on va directement aller voir. Et puis on verra. Ah, je crois que c'est pour le chien de Boozer. Ah, je vais couper par là. Ça me gonfle de faire tout le tour. Moi, je crois que c'est pour le chien de Boozer. On devait aller lui. Pas lui acheter, mais au moins on devait lui trouver un chien. Je sais pas s'il va falloir négocier ou quoi aux caisses. Ouais, j'ai bien fait de prendre mon petit raccourci, ça va plus vite par là. Donc on va se rendre sur place. Je vais me speeder un petit peu. Comme ça, si on a le temps de faire autre chose après être allé lui chercher un petit toutou. Ben, c'est pas plus mal, je vais ralentir. Je vais peut-être même m'arrêter ici puisque je suis déjà arrivé dans la zone de recherche. Comme ça, je vais économiser mon carburant. Et là, le but du jeu, c'est de trouver un chien maintenant. Alors, faut que je fasse gaffe en face. Ah, ça grouille de part et d'autre. Il y en a aussi de l'autre côté de la route. Ouais, ouais, il y a du zombie. Je sais pas s'il y a autre chose, mais... je sais pas s'il y a une bouteille de carbu, là, ou d'essence, je pourrais la prendre. Allez, le chien, où que tu sois. Toi, tu vas bien me servir. Ah ouais, surtout qu'en plus, j'ai plus de vie. Ah, j'ai peut-être m'appliqué un soin maintenant. Voilà, je vais aller voir à l'intérieur s'il n'y a pas un chien qui se planque. Passer par la fenêtre, ça m'évitera de faire du bruit. Je m'installerais si j'étais un klebs. Bah, à l'abri déjà. Parce que là, ça craint un peu. Et en hauteur. Je sais pas s'il y aurait moyen de monter. Faut que je réfléchisse comme un chien là. Où est-ce que je me mettrais pour être en sécurité? Peut-être dans un des bâtiments là-bas. Parce qu'ici, il n'y a plus rien. Je vais ressortir par ici. Donc si j'étais un chien... Merci, chef. À moi les primes. Ah, faut que je fasse gaffe où je suis. Putain, en plus, j'y suis allé en pleine nuit, ce qui n'est pas l'idéal. Après, le chien, il a pu se planquer dans un petit cabanon. Hein. Je vais aller voir cette maison avant de faire les autres. Mais il y a peut-être des chances qu'il soit dans le cabanon là-bas ou dans une de ces grandes maisons en haut. Il y aurait plus de chances qu'il survive qu'à un étage comme là. Et par contre, j'aimerais bien trouver du soin. Je sais pas ce qu'il y a derrière les barrières là. Non, non, passe par la fenêtre. Ouais, qu'est-ce qu'ils m'ont mis là? Ouais, c'est un arbre. Je suis pas sûr de pouvoir récupérer. Ouais, non, je peux pas. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est les poubelles là. Ok. Peut-être planqué dans une poubelle le chien. Ok, on va speeder par ici. A priori, le zombie, il y en a plus. Si, une... Ah, là-bas! Elle est en train de taper sur la porte. Ouais, ça se trouve, il est planqué là-bas, le chien. Elle est en train de s'exciter dessus. Je l'entends. Il doit pas être loin. Le voilà. On va le laisser tranquille. Enfin, prends ça, madame. Enfin, si vous êtes encore une dame. Ah, la machette, j'en veux pas. Donc, on aurait trouvé le chien-chien. On aurait trouvé le chien-chien. Allez, c'est parti. Ouais, eux. Putain, mais eux, là. Oh, on lui a mis un petit morceau de viande. Salut, ah ouais, c'est vraiment un bébé, quoi. Salut. Comment ça va, mon petit gars? Viens là. Hé, hey, petit. Coucou. Il est mignon, hein. Viens me voir. Salut. Hey.
Viens là. Viens là. Oh, ok, ok. Oh, bon sang. Tu m'étonnes, hein, il devait être apeuré, effrayé, tout ce que vous voulez, quoi. Fais comme tu sens. Il sera content, Boozer. J'espère. Okay. Non, je sais pas où est-ce que je vais le ranger, peut-être dans ma sacoche. Là, on est directement rentré au bercail. Hé hey. Réveille-toi, espèce de flemmard. Qu'est-ce qui se passe, mec? C'est quoi ce bordel? Putain. Oh putain. Hé hey. Comment ça va, vous beau? Oh, doucement, doucement. Hé, hey, ça va, arrête. Arrête. D'où est-ce que tu sors, hein? Ne me regarde pas. Hey. Hey, on dirait que t'as soif. Viens. On va te trouver de l'eau, qu'est-ce que t'en dis? Ok, je prends ça pour un merci. Oh, il me claque la porte au nez, c'est un enfoiré, il est sérieux, Boozer? Ok, fais comme tu le sens. Hop, 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 tout ça c'est fait. Peut-être... Ah, putain, mais ils me l'ont fait réapparaître ici. Il est où ton yinche, man? Il est avec son petit paquet de croquettes à côté. Énorme. Mais il est où le chien? Hey Dick, t'es là? J'ai besoin que tu viennes me rejoindre. Je suis là, Schizo. Tu vois quoi? Je suis occupé. Écoute, je sais que t'essaies d'aider le camp et moi j'essaie de t'aider à aider le camp. Retrouve-moi derrière le chalet. Terminé. Ok, bon, je vais aller voir ce qu'il veut, mais je suis pas inspiré. Intérêt de valoir le coup. Je sais pas où il a foutu son chien, là. Merde, c'est un truc de ouf, il est où, le chien? Tu l'as mangé? Il est même pas assis avec lui, ou... Ah, ok, les jeunes. Bah, écoutez, je sais pas du tout où il est planqué, son chien. Je vais laisser ma moto ici, et je vais aller voir l'autre Peko. Et on retournera voir le bébé chien une autre fois. Essayer d'aider le camp. Ouais, job histoire. Allez, c'est parti. Je suis trop content. Bon, ah, c'est la porte voilà, interdite. Attends. Viens, entre. Schizo, qu'est-ce qui se passe? Je te montrerai si tu entres. Ouais, il va m'enfermer, il va m'assommer et il va me faire disparaître. J'ai réfléchi à ta petite idée. Celle qui consiste à sceller la grotte au nord du camp pour empêcher les hordes de traverser nos cultures. Ok. Le souci, c'est que Mike a pas de cordon de détonateur, c'est bien ça? C'est ça. Je sais où tu peux en trouver. Juste ici. Non. Je sais ce que tu te dis, je sais, ok? On est en plein dans le territoire des Reapers. Ouais, j'en étais sûr. On a chopé des médocs qui ont sauvé ton pote. Écoute, on chope les cordons, on fait sauter la grotte et boum, plus de hordes. C'était ton idée, putain! Écoute, ils ont scellé cette putain de frontière et cette saleté de tunnel. Si je mets les pieds là-bas, je déclencherai une guerre. Mais j'ai un plan. Et en plus, je viens avec toi. Je courirai tes arrières. Bah, je garantis pas le résultat. D'accord? On en aura peut-être pas besoin, mais restons prudents. Et puis rejoins-moi. Ici, il y a un sentier qui traverse Iron Ridge. Quoi? Et de quoi tu parles? Et confiance. Nom de Dieu. T'en es? À tout à l'heure. Bon, ça va partir en cacahuète, les jeunes, je le sens. Je le sens, je sais pas si on va se faire ça maintenant, j'aimerais bien aller voir Copland ou Tucker. Protéger, je dois tout faire pour protéger Lost Lake, ouais. D'ailleurs, maintenant que je suis là, je peux peut-être... Ah non, mais il n'y a rien à prendre. Ok, on va ressortir d'ici. Tant qu'on se fait pas pincer, ouais, bah... je garantis pas le résultat, je pense qu'on va se faire pincer. Donc ouais, je veux bien aller parler à Copland et Tuck, parce que Tuck, déjà, ça fait un bout de temps qu'on l'a pas vu. Et Copland, ben, on ira le voir après en chemin. Donc je vais récupérer ma petite moto, puis on va y aller. Faudrait que je la retrouve. Elle est par là-bas.
Ah, d'ailleurs, ce que je peux peut-être faire, c'est m'enlever ça de la map. Je vais mettre Tucker. Sélectionner le job. Parler à Tuck. Ok, mur. Nous voici, nous voilà. Ouais, Boseman, ouais, je le connais. Je voulais juste te remercier. C'est pour le chien. Ouais. Pas de soucis, François. Il s'est mis à me suivre, c'est tout. J'arrivais pas à m'en débarrasser. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Hé, hey, descends. Allez, tout doux. Ouais, c'est ça. Il t'a suivi. Je l'ai appelé Jack. Ça aurait fait plaisir à Jack. Tu rigoles. Ça lui va bien. Il aurait détesté. C'est pour ça que je l'ai fait. Hé hey là, tout doux, mon grand. Ok, ok. Ça suffit, ça suffit. Ah, si je descends de la moto, il va arrêter de causer. Je dois filer. Terminé. Ok. Rien. Ok, on va aller par la petite dame. Par contre, il me reste 13% de carburant, donc c'est chaud. Dick, merci d'être venu. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens de Larsen? Le gars qui a repéré la petite de Marion Forks, celle dont je t'ai parlé. Ouais, je me souviens. Bah, il y est retourné pour voir ce qu'il pouvait trouver. S'y remet. Il n'est toujours pas revenu. Hey, on pense qu'il est tombé sur un groupe de drifters qui rôde du côté de Belknap. Il a été vu où pour la dernière fois? Dans un bâtiment à l'est de la ville, le hall de Wagon Hotel. Ouais, je vois lequel c'est. Merci, Dick. Ça m'aiderait bien. Ok. Putain, ils sont relous à se taper sur la tronche derrière là, c'est pas possible. Ah, ok. Hot Spring, putain, faut que je refasse le plein de carburant. Je vais devoir reclaquer des sous. Zani. Ouais, fais-moi le plein. Putain, ça me coûte cher. Hein. Ouais. N'hésite pas à revenir. Alors, je pourrais essayer de voir ce qu'ils ont comme matos là ou comme arme. Alors déjà, je sais que j'ai un sniper à m'acheter. À m'acheter si jamais on arrive à se faire une horde. Parce que les armes c'est par là-bas là, ouais. Content de te voir, Nicolas. Ça, si je dois faire plein de munitions. Okay. Je passais dans le coin. Les armes. Donc là, c'est bloqué. Ah, les pompes. Modèle équilibré, un machin, principal, mauvais état, non merci. État moyen, piteux état. Et ça, c'est bloqué. C'est ça qu'il me faudrait, état moyen. Et ça, je crois que c'est ce que j'ai déjà. Après, si je l'achète, je sais pas si c'est celle que j'ai. Ok, je vois le genre. Ouais, M40. Ça, si jamais je repasse sur l'arbalète et que je l'achète, je pourrais la reprendre derrière. Tu m'en diras des nouvelles. Voilà, parfait, je l'ai acheté spécial. M40 en mauvais état, super. Putain, je viens de claquer je sais pas combien pour... je sais pas si dans un autre camp j'aurais pu l'acheter dans un meilleur état, mais bon... en tout cas, c'est fait, ça, faudra que je l'achète aussi. Pour une horde, ça pourrait être franchement sympatoche. Et le reste, ça m'intéresse pas. Repeater. Mauvais état, ouais, non, les armes en mauvais état, je préfère éviter, quoi. Bon, c'est un peu con pour celui-là, mais en tout cas, c'est fait. Parce que celui que j'ai sur moi, c'est un que j'ai ramassé à un moment donné. Et puis depuis, j'ai pas changé, quoi. Donc plein. Niveau de confiance, machin. Chargeur plus M40. Ouais, faut que je passe niveau 3 pour avoir plus de munitions. Parce que là, c'est un peu compliqué. Trousse de soins, je suis à fond. Et les grenades, je peux pas. Okay, pas de problème. J'ai pas regardé le casier. Donc normalement si je vais dans spécial. Ah, maintenant j'ai le snipe. Ok, et là bah j'ai toujours rien quoi. À part le gun de le pompe okay. de Boozer. Ah, faudrait que je largue des oreilles. Je vais aller à la cuisine. Et après on va aller parler à Tucker et essayer de faire aussi en chemin. Enfin pas à Tucker, à Copland. Et puis en chemin je vais essayer de faire la petite mission de la petite dame. Ouais, la cuisine c'est là-bas. Donc je vais reprendre ma petite moto. Et je vais descendre. Là, je vais l'éteindre. Là, ça me fait économiser du carburant en descendant comme ça. Ah, merci. Je vais me garer juste ici. Et je vais larguer quelques primes. Bah, écoute, on se retrouve après. Hein. Ça faisait un bail, dis donc. Ok, mur, j'ai vendu mes petites oreilles. Alors, je me dis que, vu que c'est pas sur le chemin, on va faire un petit point. Il faudrait que je monte là-haut. Donc, on va aller voir le bûcheron, là. Et ensuite, en redescendant, si je dois valider auprès de Tucker,
Mais bon, en redescendant, on ira voir Copland pour la chasse aux maraudeurs. Donc c'est parti, j'y vais foncer sur place et on se retrouve quand on y est. Par contre là, il faudrait que j'aille ma petite moto, allez, ce serait mieux. Ouais, Ticone, qu'est-ce qu'il y a? J'ai donné le chien à Boozer et ça a marché, t'avais vu juste. Ça me fait plaisir, t'es un bon ami pour lui. Aïe. Il a de la chance de toi. Ah, ça a marché, faudra voir si ça a bien bien marché ou pas, quoi. Aïe. Ah merde, il y a un ours. Qui traverse. Oh, c'est pas une bonne idée, même sans les bagnoles. Putain, il y a du people qui s'excite dans le coin. Ok, mais on arrive sur place. On arrive sur place. D'accord. Je suis à l'Old Wagon Hotel. Je vais entrer. Tu vois Larsen? Il est là? Aucune idée. Et si c'est le cas, compte sur moi pour le trouver. Terminé. J'ai vu quelqu'un. Oh putain, s'il m'a repéré, c'est chaud là. Je vais essayer de faire le tour. Ça s'ouvre pas. Merde. Y'a quelqu'un. Dans le casque, je suis pas sûr que ce soit réaliste là. Ok, c'est vrai qu'il y en a potentiellement d'autres, donc on va faire gaffe. Comme là, là. C'est un peu sanglant, mais bon. C'est qui ça? Ok. C'est vrai que les autres, je les ai pas fouillés. Il y en a encore un là. Attention! Ok, ça c'est fait. Je suppose qu'il est enfermé ici. Ah, des grenades, ouais. Ouais, je prends les jeunes. Ah, j'ai m'appliqué un gros soin. Ça, je peux embarquer celle-ci. Ok, il est attaché là-bas. Bon, je vais finir de fouiller. Et on va aller le voir. Ok, c'est parti. Putain, j'ai même pas eu le temps de fouiller là. Saint John, je voulais juste aller en ville, boire un coup, traîner entre potes. Je te détache vite fait, et tu fous le camp d'ici. Faut pas me le dire deux fois. Je sais pas d'où tu débarques, mais... Oh, putain. Allez, file. Ok. Ça, c'est fait. Je trouve que j'ai juste faire un compte-rendu à Tucker en chemin. Ah bah écoutez, je vais finir de farfouiller, je vais me rendre du côté de chez Copland et puis bah on se retrouve là-bas. Hein. Ouais, nouvelle compétence, nickel. Doc, là, ok, j'ai la merde. Il devrait bientôt rentrer à Hot Springs. Non, je vais pépère Deacon, je te reprends contact avec la mémère. On a repéré d'autres Reapers au nord qui se dirigeaient vers Belknap. On va avoir besoin de tout le monde. Terminé. Ouais, bah je vais déjà foncer par là, moi. Ah, je sais pas. Putain, merde, il y a un sniper. Ah putain, je...
Oh, vous êtes sérieux, les jeunes? Putain, mais... Tiens. Vas-y, meurs. Vas-y, baisse-toi, toi. Putain, qu'il est con, baisse-toi. Oh putain, c'est pas possible. Oh, t'es sérieux, Manon? Ça t'a plu, hein? Ah, merci bien. Putain, il faudra que je répare ma moto, moi, maintenant. J'espère que ça a pas tiré. Parce qu'il y avait un tailleur, il y avait un ours qui était pas loin. J'ai pas envie de me le farcir. Ouais, ok. Donc, a priori, j'aurais récupéré ça. Putain, ma moto, putain, sérieux, 19%. Ouais, non, monte pas sur ta moto, merci. Okay, salut, je verrai quand je peux venir. Terminé. Putain, 15%. Ouais, on va. Ouais, retourne au camp de Hot Spring. C'est reparti. Ouais, retourne au camp de Hot Spring, sauf que le truc, c'est qu'avant d'aller au camp de Hot Spring, voir... Attendez, moi, si c'est ça, ouais, c'est... Non, mais je vais aller au camp de Copland, moi. Ils sont sérieux ou quoi? Désélectionner le job, non. Ah, impossible dans l'état actuel. Oui, je sais, c'est pas possible. Il n'y a pas de problème. Je veux pas aller à Hot Spring. Donc, Hot Spring, c'est là. J'irai plus tard. Je veux déjà aller ici et voir si on va pas aller aider Schizo ou pas maintenant. Putain, en plus, le truc, c'est que je voulais voir s'il y avait un saut, là. Ouais, non, en fait, il y a juste un chemin. Il faut que je passe là. Ok. Un truc à fouiller, les jeunes, là. Il est où, ton corps? Mais je... Ah ouais, putain, non, mais il est... S'il est encore... Putain, il est perché dans l'arbre. Je fais comment pour aller le looter là-haut? Wesh, les jeunes, il est mort là-haut. Putain, ils me l'ont même pas fait tomber. Je comprends pourquoi, des fois, je galère à les retrouver s'il reste perché dans les arbres. Allez, c'est parti. 1 km 2. Ok, les murs. Oh, putain, déjà, il y a un loup. Oh, merde. Allez, allez, allez. Ok. Peut-être éviter de gâcher mes munitions, là. La vache. Ouais, je tiens pas à me faire bouffer le cul. Ah, je crois qu'il y a comme une petite grotte à côté. Je vais aller zioter. Et s'il y a une horde, on va se la faire maintenant avant d'aller voir Copland. Ah, franchement, je sais pas quelle sauce on va être bouffé. D'ailleurs, je vais peut-être enlever tout ce qui est silencieux. Si jamais il y a vraiment une horde. J'ai vu ça là. Donc, je sais pas si c'était genre juste un campement. Ou s'il y aurait une horde dans le fond. On va juste aller zioter un petit coup. Là, il y a comme une grotte. Mais je me demande si c'est pas genre une grotte où, ouais, on avait juste chopé et eu affaire à des... à des Reapers ou un truc du genre. Ah merde, ouais, il y a bien une horde. Il y a bien eu une horde, messieurs dames. Ah ouais. Ah putain, c'est chaud, les jeunes. Ah merde, putain, jette-moi une... Ah putain, jette-moi une... Ah putain, j'en ai plus. Une grenade. Je vais prendre ça. Voilà. Ok. Ah putain, c'était tendu, ouais. Alors, prendre ça et je vais recharger. Ouais. Alors, on va aller voir, hein. Peut-être que je les ai tous fait cramer. Je vais rester sur mes gardes. Putain, il y en a de l'oreille là. J'en suis à 14, 15. Sans compter peut-être les premières qu'on a chopées là-bas. Et vu que je vois rien. Je sais pas si c'était une petite horde ou pas. Hein. Est-ce qu'il y aurait pas le reste quelque part? Alors, écoutez, je vois rien d'autre dans le coin. Je peux voir sur la map. Hein. La légende.
Non, les jeunes. Mettez-moi là. Horde, 0 sur 8. Ouais, bah non, c'était pas une horde. Il me reste 2 points du Nero. Mais après, s'il campissait, est-ce qu'il y aurait peut-être pas potentiellement une horde dans le coin? Je sais pas ce que c'est ça. Camp ennemi, Belmac, bunker. Ok, donc ça se trouve, il y en a, ils étaient juste venus se réfugier ici, mais c'est un peu space. J'ai quand même zioté encore un petit coup pour voir. Dans les alentours. Et si je vais voir s'il n'y a pas un autre tronçon de horde ou je sais pas quoi qui traîne dans le coin. Et après, on part chez Copland. Ok, mur. J'ai rien trouvé d'autre. Donc ça devait être juste un bébé horde qui faisait temporairement la sieste ici, j'en sais rien, en tout cas ça n'a pas été validé pour, je sais pas s'ils ont été séparés de leur nid principal ou quoi aux caisses. Je suis un peu attristé quand même. Donc bah écoutez, ma foi c'est reparti hein. Ouais, j'ai peut-être redémarré ma moto là. Ok, il y a du zombie qui a décidé de bouffer du cerf. Moi, faut que je parte de l'autre côté. Je me mets un peu dans le caca, là. J'ai coupé le moteur pour pas faire de bruit, donc j'espère qu'ils vont pas me repérer. Sachant qu'il y en a d'autres sur le bord de la route, là. Attends, faut que je monte. Faut que je monte par là. Je vais me dépêcher. Aïe. Je vais passer par là. Hop. Là, je vais couper le moteur. On va faire des économies de carburant. Ouvrez les portes. Je crois que j'ai pas trop défoncé ma moto. Je vais me garer là et on va constater les dégâts. Heureusement que j'ai récupéré de la ferraille. Non, ça va, c'est encore en bon état. Ouais, salut. J'aurais envie de te dire salut, trop de balles, mais. Cuisine. Peut-être les primes d'abord. Je suis venu là. Je vais leur larguer. Ah putain, j'en ai récupéré plein là. Je vais filer ça là. Non, joli. Une seule oreille. Super. Ok. Une seule oreille. T'es quoi un peu. Et là, c'est des oreilles de... De cavaleurs. Ah ouais, c'est des chiens zombies. D'accord. Une oreille. Non, tu peux... Moi, je t'en ai filé plein, là. Ok. Waouh. Une seule oreille. Ah, mais tais-toi, toi. Ok. Avec ta tête, là. Hey, Dick. Tais-toi. Dick. Tu vas pas en croire tes oreilles. Oh, l'autre qui parle encore derrière. T'as un truc incroyable ces dernières années, je t'écoute. Tu te souviens des anarchistes? Ils étaient passés il y a un an, peut-être plus. Le genre a tué tout le monde sur leur passage. Ils laissaient des petits tas de cailloux partout derrière eux. Les anarchistes. Ouais, ouais. On a eu quelques mots avec eux il y a un moment. Ben, ils sont de retour. Deux de mes hommes sont tombés sur leur camp en chassant un cerf. Y a que Bender qui est revenu. Elle a dit que c'était les anarchistes. Je crois que la fumée peut donner le Vous avez tous le symbole peinturluré sur le visage. Putain, où ça? Où ils sont installés? Je vais le noter sur ta carte. Trouve-les et extermine-les jusqu'au dernier. On a assez de barjots sur les bras avec les Reapers. On n'a pas besoin que les anarchistes fassent leur comeback. C'est clair, je vais m'occuper d'eux. Ok. Je sais pas si en cuisine, là, je pourrais leur filer un petit truc. Parce qu'au niveau des baies, je suis complet. Des herbes. Je vais en lâcher quelques-unes. Ah, c'est vrai que ça, j'en ai pas filé. Ah, j'en filerai d'autres ailleurs, là. Je sais pas si j'en ai besoin pour quelques recettes. Voilà, merci bien. On va filer un dernier. Les autres, je les filerai à Iron Mike. Là, je vais leur en filer qu'une. Et encore quelques petites herbes. Ok, ça me semble pas mal. Comme ça, je pourrais récolter ce que je trouve. Ah bah écoutez, on est reparti. Ouais, Deacon St. John, il est là, mais il a pas le temps. Et il faut que je cavale. Faut que je cavale là-bas. Bah écoutez, on va terminer avec ça. Et après, on rentrera au bercail. Putain, là aussi, ils veulent que je fasse une chasse à la... Enfin, ouais, que j'aille chasser une prime. St. John. Salut, Je ferai ça plus tard, qu'est-ce que t'as à me filer, toi. Accessoires. Inventaire plein, putain, les grenades, je peux toujours pas. Reprendre des munitions. Ok, tout le reste, je peux pas. Ouais, et là, je peux même pas. Putain, ils me vendent même pas d'armes.
Trousse de secours, machin et tout. Putain, ils vendent. Putain, c'est l'armurier, ils vendent pas d'armes ici. C'est vrai que c'est la dèche. Après tout ce que t'as fait pour le camp, cours pas demander de trouver des trucs sympas pour ce jour. Comment ça va, mon ami? T'as des trucs sympas pour ma moto, c'est ça? Puis je vais devoir raquer. La bécane aurait bien besoin d'une petite mise à niveau. Ouais. Je devrais avoir d'autres trucs bientôt. Ok, bah écoutez, il y avait absolument rien parce que tout ce que j'ai déjà, je vais voir il me le vend, donc il n'y a rien de mieux. Cassos Bamos. Ah l'enfoiré. Ah merde, c'est des tétards. Ah, il y a toute la famille qui sort là. Oh, t'es sérieux? Ah putain, débarrasse-toi-en là. Ah les enfoirés, putain. Il y a quelqu'un sauvé dans la caisse en plus à côté. Putain, j'ai été gourmand à vouloir les écraser. Ah ouais, c'est reparti. Ok, les jeunes, c'est carnaval. Ah, il y a pas mal de monde. Et je crois qu'il y a une horde dans le coin. Ah, bon, ça, c'était pas voulu. Peut-être couper mon moteur, là, pour éviter de faire du bruit. Et je crois qu'il y a une horde pas loin. Donc, si franchement, après avoir récupéré la prime des anarchistes, je peux me taper la horde qu'il y a en bas d'un chemin. Ah, je vais le faire, par contre, faut que j'évite de trop défoncer ma... Ouais, et puis il y en a une qui plonce aussi dans le train, je crois. Moi, faut que je passe par là. Je crois que par là aussi, il y a une horde. Ah, je vais éviter de rouler trop là-dedans, parce que c'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse, c'est horrible de passer ici. C'est carnaval chez eux là, il y a que ça. Ok. Il y a un petit sniper là. T'avais raison. C'est des anarchistes. Non, c'est anarchiste. Tant mieux. J'ai reçu un nouveau rapport. Ils ont attaqué un de nos convois de ravitaillement qui revenait de Toumalo. Alors écrase-moi ces sacs à merde comme des putains de cafards. Ouais, on va essayer. Fais-leur comprendre que le temps où ils contrôlaient la région est révolu. Terminé. Il y a quelque chose. Elle vous plaît, mon anarchie, alors? C'est pas assez le bordel pour vous, hein? C'est ça? Et voilà un peu de chaos pour vous faire plaisir. Mon chlasse. On les prend le couteau. Si vous venez vous installer chez nous, on va foutre la merde. Ah ouais, ils sont encore beaucoup là. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, ils sont bien 5, 6. Je vais aller. Je sais pas si c'est un peu risqué de venir là fouiller mon petit corps. Ouais. Ça c'est fait. Et c'est quoi ça? Ça c'est l'une des armes que j'aurais pu acheter. Arme principale. Ouais, je sais pas si c'est genre l'équivalent d'une petite MP5 ou un truc du style. Alors, moi faut que j'aille me percher au-dessus maintenant. On va couper ça. Faire attention au piège ici. Ah, ils en ont remis un juste là. Ah, ils en ont mis partout. Hein. Ils voulaient vraiment pas se faire avoir le sniper. Ok. Je vais me planquer dans mon petit buisson. J'en aurai un autre à fouiller juste à côté. Je vais essayer de me faire ceux qui sont déjà bien loin. Voilà un peu de chaos pour vous faire plaisir. Ok, c'est bon. C'était pas assez le bordel pour vous, hein? C'est ça? C'était quoi? Oh merde.
Prends ça dans ta gueule. Oh merde, t'es sérieux? Laisse t'enfoiré! Elle vous plaît, mon anarchie, alors? Putain, il est où? V'là un peu de chaos pour vous faire plaisir! C'était pas assez le bordel pour vous, hein? C'est ça? Attention! Oh merde. À côté de moi. Merde. Il y en a encore un qui traîne. Ah non, c'était le dernier. Ok, bah ça c'est fait. Ah ça c'est fait. Par contre, je n'ai plus de munitions mais sur l'arme. C'est pas trop tôt. Saloperie. Je veux bien en récupérer. Je vais peut-être aussi m'appliquer un petit soin au cas où. Puis je risque d'en récupérer en dessous. Hop, c'est fait. Il en reste quelques-uns dans le coin, oh, ils devraient comprendre qu'ils ont plus rien à foutre chez nous. J'espère que t'as raison. Et tu viens de dire « chez nous ». On pourrait presque croire que t'es devenu l'un des nôtres. Fais gaffe. Terminé. Ouais, compte pas trop là-dessus. On a pas de munitions là, ok. Ok les jeunes, bah écoutez, je vais farfouiller tout ça, puis on est reparti. Je vais essayer de choper un soin et des munitions si je peux. Déjà, il y a du people là-bas, on va aller voir. Faut que j'évite de me prendre un piège à... Un piège à ours, par contre. Une petite grenade, je prends pour la horde. Je vais essayer de trouver une horde dans le coin, là. On va essayer de la taper. Non, regardez-moi, c'est pas mignon, ils sont tous alignés. Encore des munitions. Ils font dodo. Ok, le gros soin, je peux pas le prendre. Ah bah écoutez, voilà, hein, je vais choper la petite tente là si je peux. Voilà. Ah donc j'ai tout pris. Ah bah je suis cassos. Ok, mur. Putain, il va trop y Ah je vais essayer de le poursuivre, tiens. On va essayer de le taper. Va te faire foutre. Ah yes. Ouais ouais ouais, je vais démonter sa moto mais après. Non, je veux pas monter dessus, t'es con quoi. Putain, je pourrais hein, m'amuser à faire une petite virée avec mais putain, je veux surtout la saboter. Y a pas moyen de la saboter les jeunes. Non, je peux juste allumer ma loupiote et putain c'est ouais et peut-être déjà fracassé à 100%. Ah c'est chiant, c'est que je peux pas vivre. Putain, j'ai 29% de carburant et lui il a un plein entier. Ah c'est bien relou. Après je pourrais bah non mais sa moto elle peut pas rouler de toute façon donc comme ça c'est réglé. Et bon, j'ai noté une petite horde dans le coin. Je vais aller voir là-bas s'il n'y a pas du carburant. Et je repars. Ok, les jeunes, je trouve une petite plaque. Comme ça, c'est fait. Oh, je crois que c'est une gueulardelle. Oh merde. Ouais, il faudrait peut-être que j'attache ça, ce serait mieux. Je vais me planquer là parce que j'ai fait du bruit. Ah merci bien. Putain, si elle pouvait mourir, ce serait pas mal. Allez, j'aime. Putain, t'es sérieux, Manon? Oh, j'ai cru qu'il y avait un lion derrière qui était en train de rugir. Ok, comme tu dis. Oh, c'est une autre gueularde d'en bas.
Ouais, mais là, elle est trop loin. Je pourrais pas faire mouche. J'aurais des munitions dans mon snipe. Je l'aurais fait, mais là, c'est tendu, quoi. Allez, les murs, là, il y a une grotte. Est-ce qu'il y aurait pas du zombie dedans? Ah non, c'est pas assez profond pour. Ah, c'est pas assez profond. Mais il n'y a pas de carburant, donc bah, je suis reparti. Hein. Ok, mur, je trouve pas de jerrycan. Par contre, je trouve de la horde. Il y en a quelques-uns ici, là. Et il y en avait de l'autre côté qui se promenaient le long du barrage. Sachant que mon pont est à 200 hectares, je suis passé. Quand je suis passé le long du lac. Il y en avait tout un tas de l'autre côté. Il y avait full. Et là, regardez. À moins que ce soit ceux que j'ai vus de l'autre côté du lac et qui se soient pointés de ce côté. Mais c'est tendu. Parce que mon pont, il est à 500 mètres. Vu que je trouve pas de jerrycan, je vais aller sur place. Et vu qu'il y a un camp du Nero juste à côté. Putain, il y a moyen que je trouve ça là-bas. Par contre, faut que je me dépêche. Ouais, revenir, j'ai compris. Putain, c'est tendu, le mec il sait pas nager, c'est vrai qu'il a peur de l'eau. Mais ça ralentit, faudrait pas qu'il me repère. Parce que vu la quantité là, c'est compliqué. Ok, merci. Putain, j'ai de la chance là. Ah, j'ai de la chance. Et si je les tape eux et que c'est pas une vraie horde, ça va me saouler. Un chien pas à faire comme tout à l'heure, à en taper des milliers et des cents pour pas que ce soit une vraie horde. Ok, mur. Je suis arrivé sur place, pas très loin. Et vu que je peux porter plus de composants, je peux enfin récupérer mes résidus qui traînent là depuis je sais pas combien de temps. Putain, j'aimerais bien trouver un jerrycan, les jeunes. Oh, c'est de l'autre côté à 100 mètres. Et vu qu'il y a une horde qui patrouille là, il y a de fortes chances que je trouve mon bonheur. Si j'arrive à rester en vie jusque là. J'aimerais bien qu'il arrête de flotter aussi, ce serait pas mal. Ah, donc je fais un tour ici. Et on se retrouve pour la horde après. Ok, j'ai il me restait 4%. Ah, c'était tendu. C'était tendu. Mais au moins le plein il est fait. Ça je vais pouvoir sauvegarder. Ah merci bien. Ok. Alors, on va s'avancer tout doucement. Je crois que normalement elle traîne en dessous. On va quand même faire gaffe. Oh, elle est là. Elle est en train de grouiller en bas. Je peux peut-être les attirer avec bombe de proximité, non. Un attracteur explosif. Je vais juste mettre un attracteur. Ouais, Molotov. Est-ce qu'ils vont se compter là? Ouais. Ah putain, les jeunes. Non. Ah putain. Ah, c'est chaud ce que j'ai fait. Ah, c'est chaud. Allez. Est-ce qu'ils vont se pointer par là? Ouais, je vais prendre ça. Je vais m'appliquer une trousse de secours. Et ça, je vais le détacher. Ah putain, ah c'est chaud. Ah c'est chaud.
Ok, on va tourner par ici, messieurs dames. Vas-y, recharge. Ah putain. C'est tendu, messieurs, mais ça peut le faire. J'ai plus cocktail d'endurance. Ouais, prends-moi de l'endurance. Elle fait une petite roulade. Ah, les uns après les autres. Ah putain, enfoiré. Ah yes! Horde de la route de cascade. Et de une, c'est notre première horde. Ok, route de la cascade. Bon, ça l'a plutôt fait. Non, ça a pas trop piqué non plus. Ah, faut juste que je me reprenne un petit soin, mais bon, c'est pas grave. Faut mieux ça que de mourir, j'ai envie de vous dire. Ah, j'aimerais faire des molotovs. Il y a pas mal de bouteilles à récupérer en haut. Donc, je vais aller faire ça. Je vais aller ramasser mes petites oreilles, messieurs, dames. Écoutez, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. On se retrouvera prochainement pour de folles et de nouvelles aventures sur Death Gun ainsi que les autres jeux présentés sur la chaîne. Et si vous ne voulez pas louper tout cela, eh bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ceci. Sur ce, moi je vais foncer au bout là-bas pour aller voir s'il n'y a pas des petits soins et autres petites choses. Et après je vais faire demi-tour. Et là, il y a un gros pas beau. Ah, je te défonce direct. Parce que sinon ça va pas le faire. Ça je vais le prendre, merci bien. Sur ce moi je vous laisse là, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde et surveillez bien. Et a priori c'était juste un loup normal et pas un loup zombie. Ouais. Ok, il y avait un autre loup, il avait envie de danser. Ok. Oh, donc il me faut simplement quelqu'un. Enlève le doigt. Les doigts. Allez, il me faut une personne, par exemple quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour, qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.